Vous êtes présentement en plein cœur du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Mais au fait, qu'est-ce qu'un bassin versant? Un bassin versant est un territoire où l'ensemble de l'eau de surface et du ruissellement pluvial s'écoule comme dans un entonnoir, par gravité vers un même point. On nomme ce point de plus basse altitude l'exutoire, et il correspond à l'embouchure du cours d'eau principal. Un bassin versant est toujours délimité par une frontière naturelle, la ligne de partage des eaux, qui consiste en une suite de points qui forment une crête suivant l'altitude et le relief du terrain. Puisque tous les cours d'eau se jettent dans un cours d'eau de plus grande importance, un bassin versant est composé de sous-bassins imbriqués comme des paupérus. Par exemple, le bassin versant du lac Beauport fait partie du bassin versant de la rivière Saint-Charles, qui se trouve dans le bassin versant du Saint-Laurent et des Grands Lacs, lui-même inclus dans le bassin versant de l'océan Atlantique. Chaque bassin versant possède des caractéristiques naturelles qui lui sont spécifiques. Lorsque des problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau surviennent, cela peut non seulement avoir des répercussions sur la faune et la flore, mais aussi sur l'économie, la santé et le bien-être des populations humaines. L'insalubrité de l'eau peut aussi entraîner une baisse de la valeur foncière des propriétés ou encore la perte d'usage récréatif de l'eau. Or, comme le territoire des bassins versants n'est pas soumis aux limites politiques ou administratives, les problématiques de quantité et de qualité de l'eau ont le potentiel d'affecter tous les usagers de la ressource à l'échelle du bassin versant. La gestion de l'eau par bassin versant représente donc une approche qui permet de réunir tous les usagers de l'eau autour des problématiques afin d'élaborer des actions planifiées, concertées et prises de façon consensuelle et dans l'intérêt général. Cette approche participative permet de rassembler des gens de différents domaines économiques et politiques ayant parfois des intérêts divergents. Au Québec, la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant résulte de la politique nationale de l'eau adoptée à l'automne 2002. Et le territoire est découpé en 40 zones de gestion. Alors, où que vous soyez, vous êtes dans un bassin versant. En prendre conscience permet d'harmoniser son attitude et ses actions dans une optique de préservation de la ressource eau.